Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le point granité. Donc, voici à quoi il ressemble. Ce point est assez joli et très facile à faire. Voici l'envers du travail. Et ça, c'est l'endroit. Pour la vidéo, j'ai fait un échantillon. Et j'ai monté 23 mailles. Il y a la maille lisière de chaque côté. Je commence tout d'abord par sortir la maille lisière sans la tricoter. Ensuite, on commence par faire le premier rang à l'endroit. Dans toutes les mailles, à l'endroit, jusqu'à la fin. Pour le deuxième rang, on sort également la maille lisière et on tricote toutes les mailles, cette fois-ci à l'envers. Pour le troisième rang, on sort la maille lisière sans la tricoter et on va commencer par tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit, après une maille à l'envers et une maille à l'endroit et on fait ça jusqu'au bout. On alterne ensuite, les mailles. Pour le quatrième rang, on les tricote comme elles se présentent. Donc on sort la maille lisière. Ici nous avons une maille à l'endroit, donc on la tricote à l'endroit. Ici nous avons une maille à l'envers, on la tricote à l'envers. Donc on tricote les mailles toutes comme elles se présentent. Donc ceci étaient les quatre premiers rangs. Ensuite, donc du coup, ça nous a formé deux mailles en jersey et du coup elles sont alternées, elles sont en quinconce les mailles en jersey. Donc pour les faire en quinconce, on recommence, on fait pareil. Donc on sort la maille lisière et on tricote le cinquième rang tout à l'endroit. Pour le sixième rang, c'est comme pour le deuxième, on sort la maille lisière et on tricote toutes les mailles à l'envers. Ensuite, on va faire le quinconce. Donc pour le septième rang, on sort bien sûr la maille lisière, mais pour... Donc au troisième rang, on avait commencé par tricoter la maille à l'envers. Maintenant, pour le septième rang, on va commencer à la tricoter à l'endroit. Du coup, ça va nous former les mailles en quinconce. Donc, une fois qu'on l'a tricotée à l'endroit, on en fait une à l'envers. Ensuite, une à l'endroit et une à l'envers. Et on alterne jusqu'au bout du rang. Et pour le huitième rang, du coup, on sort la maille lisière et on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc ici, on commence par une maille à l'envers et là, une maille à l'endroit. Et voilà, c'est très facile. Ce point est terminé. Donc, il faut toujours répéter ces 8 rangs. Donc, en fait, c'est très facile. On continue à tricoter tout le rang à l'endroit. Le rang d'après, on le fait ensuite, à l'envers. On va former nos deux mailles. Donc, on commence par tricoter la deuxième maille, vu que la première maille, c'est une maille lisière. On commence à tricoter la maille à l'envers. Et ça fait à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, jusqu'au bout du rang. Ensuite, le rang d'après, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ensuite, on refait nos deux rangs de jersey, donc un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Et cette fois-ci, vu qu'on avait commencé à tricoter une maille à l'envers, on tricote la maille à l'endroit. J'espère que ce tutoriel vous a plu et j'espère que vous arrivez maintenant à faire le point de granité. Vous trouverez dans la barre d'infos ma page Facebook ainsi que le lien du point de granité où vous pouvez mettre votre point et en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bisous!